Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Lunch Rosso Color version, c'est-à-dire une figurine de la collection S-Culture qui était déjà sortie dans d'autres coloris et qu'ils ont ressorti au goût du jour avec des nouvelles couleurs. Figurine très intéressante. Au début, j'hésitais à la prendre et j'ai vu un pote qui l'a eue et franchement, il m'a convaincu parce que c'est vrai que c'est une super belle pièce, tout en sachant que des Lunch, on n'en a pas beaucoup. Et faisant partie effectivement de l'arc Dragon Ball, un arc que j'avais beaucoup aimé. Sinon, ouais, figurine très 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 belle. Alors, moi déjà, ce que j'en ai vu, quand mon pote il me l'a sorti, j'ai fait ah ouais, elle est superbe quoi. Celle-là, je ne peux pas passer à côté. Donc, je me suis plus ou moins précipité pour la prendre pour éviter de ne plus la trouver en magasin, vu qu'il y a pas mal de sorties, il y a un changement assez fréquent des figurines, et de devoir aller sur Internet et de soit ne pas la retrouver, soit la payer beaucoup plus cher. Donc je me suis dit qu'il fallait, c'était une occasion à saisir. Voilà, des figurines qui vaut à peu près une trentaine d'euros, que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés sur Paris, ou sur les sites tels que Amazon ou eBay, voire plus. Il y en a plein de sites qui les font, des figurines Dragon Ball. Donc vous pouvez chercher, vous en trouverez quand même un bon paquet. Voilà, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc toujours muni d'un couteau, on coupe les scotch autour de la boîte. Alors là, nous aurons une figurine en une pièce. Tout est accroché. Comme ça, là, vous ne vous embêterez pas à tout monter, quoi. C'est voilà, très belle pièce. Voilà. Eh ben, rien à redire sur la figurine. Elle est vraiment terrible. Voilà. C'est un moment. Et encore, j'ai regardé. Là, en fait, je pense qu'ils se sont gourés sur le. Là, ils ont mis Dragon Ball. Effectivement, Lunch est un personnage Dragon Ball, mais Lunch est aussi un personnage qu'on voit dans Dragon Ball Z. Et si je me rappelle bien, je crois qu'on la voit alors soit au tout début de Dragon Ball Z, quand justement on fait un petit parallèle pour savoir ce qu'elle est devenue, et qu'on la voit déjà en train de piller, alors piller je sais pas qui, et partir avec une montagne de billets. Donc là, on peut voir les billets dans le vent qui sont vont du sac, ce qui est super bien fait. Là, on voit même deux billets qui sont là, qui sont accrochés par rapport au pot. Bon, après, les pots, ils n'ont pas l'air très droits. Ça, c'est un peu dommage, hein. Mais j'ai pas trop envie de toucher parce que ça a l'air un peu fragile. On a aussi la petite fumée derrière parce que ça monte un crissement de pneus comme quoi la personne s'enfuit. Le visage est hyper bien fait, les cheveux aussi. Voilà, donc on reconnaît la Lunch avec les cheveux jaunes, hein, celle qui est énervée et qui fait que des braquages, grossièrement. Sinon, on a la petite moto qui est hyper bien réalisée, hyper bien faite. La Lunch est super belle, super bien faite. Vraiment, c'est une super belle pièce que je conseille à tous les fans de la série Dragon Ball et des personnages de Lunch en particulier. Des Lunch, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je crois que j'en ai vu une ou deux à peine, hein. Celle-là comprise. Et voilà, on a aussi des petites inscriptions sur les gants. Marque quoi? Sturgis, bref, Sturgis, bon, c'est peut-être que ça veut dire quelque chose, c'est peut-être une allusion à quelque chose. Sur les deux gants, le détail au niveau comment dire, de la petite moto est hyper bien fait. Le flingue, vraiment, voilà, là on voit bien marqué à l'arrière du siège Bird Studio. Je pense qu'il doit avoir un lien avec plus ou moins Dragon Ball. Les cheveux sont hyper bien faits, on voit pas de ligne de démarcation, il n'y a pas de coulure au niveau de la peinture. Vraiment, la modélisation est superbe, les couleurs sont super belles. Bien flashy comme il faut, il y a un souci du détail qui est quand même assez hallucinant. C'est une pièce que je conseille à vraiment tous les fans. Elle est superbe. Comme d'habitude, hein, vous pouvez les trouver sur Paris, Bastille ou République et sur des sites de façon à pouvoir la commander. Mais sinon, vraiment très 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 belle pièce. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à vous abonner si vous le souhaitez. Au revoir.